Vous regardez RTL. 8h48, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jeanne. Bonjour Monsieur Calvi. Bonjour tout le monde. Bonjour François Bayrou. Bonjour Mademoiselle Jade. Oui. Bonjour Monsieur Calvi. Et bonjour le grand retour médiatique. Ah bon, déjà ? Absolument. Il ne vous aura pas échappé que ces jours-ci, j'ai multiplié les interventions publiques fracassantes. Oui. Alors, on était un peu grippés. Vous pouvez peut-être nous rappeler vos principales prises de position ? Tout d'abord, à la surprise générale, j'ai annoncé dans le Béarnais libéré la nomination de Christophe Grudeler comme membre exécutif de mon modem. Et alors ? Eh bien, comme je l'ai écrit sur le hashtag balance ton pot, cela porte à 15 monsieur et 15 madame, les membres exécutifs, soit la parité absolue et moi au centre. Mais ce n'est pas tout. J'ai également annoncé que le nouveau tramway de Pau sera baptisé Phébus, car il est fait comme un bus. Effectivement, une actualité chargée. Merci, Monsieur Bayrou. Hop. Ce n'est pas fini. Oui. Vous avez sans doute lu dans 20 minutes que la question que tout le monde se pose, et il y a un suspense incroyable, c'est de savoir si je serai candidat à ma succession à la mairie de Pau. C'est vrai, on en parlait encore ce matin au café. Alors, candidat ou pas ? Mademoiselle Jade, je déciderai en fonction des intérêts supérieurs du pays. Car comme le dit le proverbe, le modem est la ceinture qui tient le pantalon du président. Ah oui ? En 2020, si mon Emmanuel a besoin de moi, je ne resterai pas assis sur mon pot et je l'aiderai à former son nouveau gouvernement. Bien. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte sont rentrés d'un voyage officiel en Inde. Voyons comment se déroule ce retour à l'Élysée. Brigitte, j'arrive pas à me concentrer avec cette musique. Et c'est quoi toute cette fumée? On n'y voit rien. C'est de l'encens aux boîtes santal que j'ai ramené d'Inde. Mais comment veux-tu que œuvre à la transformation profonde et nécessaire du pays dans cet ashram ? Plutôt que t'énerver, tu ferais mieux de faire comme moi. Méditer. Oh, et maintenant c'est les poules qui empêchent d'œuvrer dans la transformation profonde et nécessaire du pays. Sois gentil avec Agathe et Marianne. Elles nous font de très bons œufs. Tiens, ce soir, je te ferai une omelette. Ça te changera des œufs Kinder que tu manges en cachette. Et allez, le téléphone maintenant. Il faut que je fasse tout moi-même. Hein. J'ai pas quatre bras comme Shiva. Résidence des Macron, j'écoute. Allô, Brigitte. Céline Renaud. Oui. On l'avait reconnu. Namasté, Lynn. Paris Soir disait donc vrai. Vous êtes allé aux Indes orientales. Oui, d'ailleurs, j'allais faire mon yoga. Oh, ça me rappelle mes années folles à Pondichéry, les comptoirs de l'Inde. C'était l'été indien. Ravi Shankar, avec sa sitar, me disait que j'étais belle comme une aquarelle de Marie Laurencin. On ira, quand tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore. Lorsque l'amour sera mort, toute la vie sera pareille à ce matin. En couleur de l'été indien. Entre le congrès de refondation de son parti par sa fille et le succès en librairie de ses mémoires, Jean-Marie Le Pen est décidément très présent dans l'actualité. L'occasion pour lui de mettre en ligne un nouvel épisode de son blog vidéo. Bonjour amis blogueurs, c'est votre ami best-seller.
Comment allez-vous, ma chère Marie? Vous êtes toute en beauté, dites-moi, et surtout, toujours en pleine forme. Oh, merci, Président. Mais c'est vous qui êtes en forme et sur tous les fronts. Et vous pouvez compter sur moi pour y rester, au front. Oh, si je comprends bien, Président, vous n'allez pas adhérer au nouveau parti de votre fille. Jamais! Ils peuvent toujours m'attendre au ramassis national. Non, je crois, Président, que c'est plutôt Rassemblement National, le nouveau nom. Un nom grotesque, n'est-ce pas? Rassemblement, pourquoi pas Fête des voisins national, Amical National, pendant qu'ils y étaient. Non, enfin, qu'est-ce que c'est que ce nom de féminé? Ah oui, alors je suis ravie de constater que vous aimez toujours les noms virils après cette interview que vous avez donnée à ce magazine homosexuel qui s'appelle Friendly. Oui, et bien sûr, chère Marie, croyez-moi, j'aime toujours les vraies femmes avec des décolletés profonds dans lesquels les regards voyeurs peuvent se noyer joyeusement. Mais ça n'empêche pas de parler en toute amitié avec des invertis sans que ça fasse de moi un homophobe, n'est-ce pas? Absolument, cher Président. D'ailleurs, vous l'avez dit dans le magazine, je vous cite... À partir du moment où les homosexuels ne mettent pas leurs mains dans ma braguette et dans celle de mes petits-enfants et qu'ils ne se promènent pas avec une plume dans le cul sur les Champs-Élysées, ça m'est égal. Quel formidable appel à la tolérance. Mais oui, hein, n'est-ce pas? Et comme je le dis dans la même interview, j'ai longtemps côtoyé Michou et accepté que le Front National soit co-dirigé par Florian Philippot Zob, qui n'a pas la réputation de sortir le sien, d'ailleurs, pour honorer les dames. On peut dire, cher Président, que vous êtes sympathisant de la cause LGBT. Écoutez, absolument, je soutiens les LGPD, je vais le prouver en participant à la prochaine édition de la Gay Pride à Paris. J'y aurai mon propre char, un chatoyant Panzer allemand de la Deuxième Guerre mondiale que j'équiperai d'un canon à confettis, n'est-ce pas, de ma fabrication, au volant duquel je manifesterai ma tolérance. Julien Doré vient de sortir une version acoustique de son dernier album, inclut un duo inédit avec Dick Rivers, la reprise d'Africa, la chanson de Rose Lawrence. Je suis amoureuse d'une terre sauvage, un sorcier vaudou m'a peint le visage. Wow, t'as vu la beauté? Ah oui. Avec Julien Doré, je suis redevenu l'idole des jeunes. Yeah, un comeback. Pour moi, on ne pourra plus dire assez, Dick. Yeah. C'est vrai, c'est vrai. Ce retour sur le devant de la scène est très impressionnant. Yeah. Ouais. Quand j'ai demandé à Julien Doré de chanter avec lui, tu sais ce qu'il m'a répondu? Ah non. C'est ça, Dick. Africa, j'ai envie de danser comme toi, de m'offrir à ta loi, oui. Africa. Yeah. D'accord. Et ça vous a donné d'autres idées de duo? Yes, Lolita. Je vais enregistrer avec un de mes amis qui, lui aussi, surfe sur la vague du succès de l'Afrique. Wow. Ah, qui donc? My dear friend, Michel Leb. Qui est là avec moi. Oui. Tu veux qu'on... Tu veux qu'on te chante Africa en exclusivité mondiale? Ah bah oui, Dick Rivers, oui. Michel Leb, oui, nous sommes impatients et excités même. 3, 4. Le feu de mon corps devient rebelle. Le cri des gourous a déchiré le ciel. Oh bah non, vous n'allez pas recommencer, Michel Leb, avec cet accent caricatural et ridicule. Wow, c'est Michel l'Africain. Yeah, Africa, j'ai envie de danser comme toi. Yeah, c'est Michel Leb, le rocker africain. Non, 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 non. Michel Leb n'est ni africain ni rocker. Hein. Si, il a des lunettes noires, yeah. Ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. Bon, ça suffit, tous les deux, vous sortez de ce studio. Hein. Yeah, moi aussi, je suis africain. Oui, oui, c'est ça, oui. Présentement, Dick est africain. La preuve, il a sur la tête une banane. Odeur. Yeah. Mais faites les sorties. Ah, mais c'est ce que j'essaye de faire. Et... Oh là là. Alors, 13h50 pour la rediffusion de RTL Midi. Et puis sur le site RTL.fr. Vous revenez demain? Oui, on sera là. Je reprends mon souffle et je reviens demain. Voilà, tant mieux, oserais-je ajouter. Dans quelques instants, la météo. Bah oui, la météo à 7 jours, voilà. Et on perd son latin.